Bon, j'ai essayé de donner une image de la géométrie que j'appelle cube espace parce que je considère que le cube est un lien important dans tout ce système. Alors, on a à la partie supérieure ce que j'appelle le système dynamique, c'est-à-dire celui qui marche sur le nombre d'or, qui est en fait le système qui correspond au, en gros au groupe icosaédral. Et en bas, ce que j'appelle le système statique, qui correspond aux éléments du groupe qui s'appelle plutôt octaédral. J'ai essayé de décomposer les choses principales. Le tout est présenté dans une double trame cubique, qui est représentée par les barres blanches et noires. Une double trame cubique est intercalée. Ensuite, ici dans le système dynamique, on a le triacontaèdre qui pour moi est le lien, le symbole du système, de même que le dodécaèdre rhombique et le symbole du système statique. Ensuite, on a les caractéristiques principales de chacun de ces systèmes. Dans le système dynamique, c'est la rotation par 5 sur un axe de 72 degré qui est l'axe rouge. Et c'est pour ça que j'ai exprimé où on voit les 5 cubes, mais j'en ai fait un en blanc. C'est le principe de la rotation. Dans le système statique, c'est le principe de la trame, de la répétition et de l'extension, finalement, en racine de 2, alors que là, on est en nombre d'or. Donc, étant ces deux systèmes, je retrouve tous les polyèdres. Parce que ici, j'ai le dodécaèdre et l'icosaèdre, bien sûr, qui sont liés au triacontaèdre. Et ici, j'ai fait une petite nuance sur les deux verres, parce que j'ai les différentes trames tétraèdre-octaèdre, mais plutôt on voit l'octaèdre et on voit le tétraèdre, surtout. On en voit un. Et c'est donc on a tous les polyèdres platoniciens en quelque sorte, qui sont le tétraèdre, l'octaèdre, les cubes, le dodécaèdre et l'icosaèdre, et les symboles. Voilà. C'est pour ça que je pensais que ce modèle était une représentation assez globale de la géométrie élémentaire, mais de la manière dont les choses se placent dans l'espace. Et c'est tout. C'est bon. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même formidable que Zomtou permette de faire cette représentation avec, malheureusement, mon regret, c'est qu'il n'y a pas toutes les barres nécessaires dans le système statique. C'est pour ça que je demande à Jim de s'expliquer avec Paul pour essayer de faire ce jeu tel que je l'imagine dans l'idéal. Tu peux me montrer quelques barres que tu as coupées à la longueur qu'il faut? Ici, c'est surtout ces barres jaunes ici, qui pour moi sont dans l'échelle, qui sont la moitié en fait de celle-ci, mais qui n'existent pas, que j'étais obligé de recouper. Bon, et puis aussi, bien sûr, il y a toutes les petites barres. Mais enfin, ça, je pense que Paul va les faire, les barres courtes ici. Celle-ci, celle-ci, il y a celle-ci, bon. Mais je pense que les couleurs que j'ai prises aussi n'existent pas. C'est-à-dire qu'ici, je suis obligé de faire deux couleurs de vert. Ce qui ne veut pas dire que je pense qu'il y ait deux directions. C'est simplement, je pense que chaque direction est représentée par une couleur qui doit être intangible. Mais pour différencier les volumes, il est bon d'avoir des couleurs. Donc je suis tout à fait d'accord avec la politique de Zomtool d'avoir la possibilité, en option, d'avoir des barres de couleurs différentes, mais sachant bien que la couleur de base ne doit pas être transigée. Voilà. Ah oui. Donc on voit, hein, j'explique. Ok. On va commencer par là-bas parce que c'est plus ancien. Je le mets de ce côté.
Ça, c'était un essai pour mettre en place les directions qui ne sont pas encore officiellement sorties dans Zoom, c'est-à-dire les, que j'appelle les directions symétriques. En particulier, les jaunes symétriques qui sont faites avec de la laine, les rouges symétriques et les bleus symétriques qui donnent 181 directions pour Zoom Tool. Ça, c'est un zoom braid, si je peux l'appeler. C'est un des nombreux. C'est-à-dire que l'intérêt de ce truc, c'est que on peut le faire avec toutes les barres, avec des formes différentes, mais toutes les barres de Zone Tool permettent de faire ce modèle. Celui-là, c'est archi connu, c'est un grand classique. C'est pas la peine d'en parler, tellement il est connu. Ça. C'est les trames. C'est pour montrer l'indépendance des différentes trames de. C'est ton arbre de Noël. Tétrique. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle. Je ne sais plus comment déjà. L'espace cubique. Enfin, c'est fou ce qu'on peut faire avec les bleus. Quoi. Les bleus, pour moi, c'est un monde merveilleux. Hein. Ça, c'est le. Comment il s'appelle? C'est ce qu'il avait fait, ce qui a été envoyé par. Je me rappelle le nom. En anglais, c'est un ruled surface, un parabolie d'hyperbolie. Oui, ou... c'est ça, mais je veux dire que c'est. C'est Roger qui a fait ça. Ah oui. Et je l'ai construit, je l'avais d'ailleurs exposé aussi. À Saint-Étienne. Ah oui. Parce que je trouvais que c'était un modèle très très intéressant. Ça, c'est un morceau de toute la trame du système statique. Finalement, il y a toutes les directions, les doubles trames cubiques, ça, c'est un. Je crois que c'est un modèle fait par. Brian, que j'ai trouvé sur Vesom et que j'ai reconstitué parce que je le trouve très intéressant. Ça, c'est encore un zomboïde assez compliqué. Et on arrive au partenaire possible de Zone Tool. Ça, c'est astrologique, dont l'intérêt est évident parce que c'est extrêmement simple. Et très à la portée des enfants. Et celui-là, je crois qu'il s'appelle Tekit. Son intérêt, c'est comme il a des barres de toutes les couleurs, ça m'a permis de représenter chaque réseau de système statique avec une couleur différente. Voilà, c'est intéressant aussi. L'image. Ça c'est les cinq polyèdres réguliers dans deux formes. Ça, c'est encore un modèle de Brian, je crois, que j'avais trouvé aussi très très élégant. Je crois que je lui avais écrit à ce moment-là pour trouver à quel point il était élégant. Je trouve qu'il est très beau celui-là. Ça, c'est le système dynamique, ça c'est le système statique, et ça c'est bêtement les cinq polyèdres. Platonicien. C'est bien.